peu ce que ça donne le Resident Evil 8. Alors, langue du doublage anglais, bon, on peut pas le changer. Texte français, sous-titres, oui. Le son. On va laisser comme c'était. HDR. Ah bah oui. Peut être modifié dans le menu options. Ok. Oui, oh. Oh, bleu, blanc, rouge. Allez, je laisse comme c'est là. Oh non, ça met 3 ans à défiler. Ah, c'est bon. Oui, sauvegarde auto si tu veux. Alors, option, il y a quoi? Le Wizbot, tu peux te retirer? Ah, il s'appelle Maiden le jeu? Ah non, non, c'est Resident Evil 8, mais c'est pas grave. Caméra normale, paramètres du jeu. Effet visuel des dégâts. Normal, réduit. Non, normal. HDR, oui. Là, je vois pas trop ce que c'est. Alors, bah, c'est pour l'audio. C'est quoi ça? Virtual Surround. Vas-y, c'est écrit quoi? Active Audio. Ouais, pour les casques audio. Vas-y, je le mets. Je me le mets pour moi. Ça, c'est bon. Allez, commencez. Alors, voyons voir un peu ce que c'est. Échappez-vous du cachot. Ok. Alors, voyons voir. Ah ouais, déjà les textures sont pas si dégueux que ça. Quoique, de vraiment près, la rouille, c'est pas de la rouille, quoi. Ouais. Quand tu joues et que t'es un peu éloigné comme ça, oui, le jeu est beau. Ah, ce serait pas un indice, ça, par hasard? Examiner. Oh, un morceau de papier! Oh. Voir les objets, morceau de papier. Un vieux morceau de papier trouvé dans le mur. Quelqu'un a laissé un message. Sans quelle langue? Alors, tente de s'échapper ici. D'accord. Ouais. Le couvercle du tonneau, il est flou quand même, hein. Faut se dire aussi qu'on est quand même sur des consoles plus puissantes que certains ordi, hein. Sachant que sur ordi, les jeux sont plus beaux. Par contre, le moisi, il est bien fait. Ça, c'est du moisi. Ah, les chiottes, ok. Ils veulent que je m'accroupisse, mais c'était comment déjà? Ouais. Oh, y'a un croc! Ouais, trop bien. Tout ça pour aller dans l'autre cellule d'à côté. Y'a un truc là? Une assiette. Ah! Heureusement qu'il est. Midi 10. Bon appétit! D'accord, il ouvre tout seul. Quelqu'un a une fuite d'huile? Ah non, c'est du sang. D'accord. C'est tellement foncé qu'on a cru que c'était une fuite d'huile. Oh. Ça va bien éclabousser. Il y a un truc là? Je vais visiter là avant. Oh, y'a un truc. Encore à papier. Maintenir le bétail en vie. Ah, d'accord. Y'a quoi derrière ça? Faut pas y aller. Bah, y'a rien, quoi. «
je le sens, c'est les machins qui vont tomber dessus et tout. Eh oh oh! Dès que j'essaie d'avancer, j'essaie d'ouvrir. Ça va être chiant, faut qu'il corrige ça par contre. Ça a sifflé de l'autre côté. Ça s'est ouvert là. J'ai entendu un truc s'ouvrir. Hein. Je suis pas rassuré là, bizarrement, hein. Oh, oh ben. Toi la vieille peau là, je sens que tu vas me sauter sur la gueule. Aide-moi frère. Pour ton frère. Oh ben. Lui il est pendu, il a même plus de jambes. Ça c'est un truc exprès pour crever les yeux. Oh putain. Ils font de ces trucs de torture, laisse tomber. Ouais, bah, c'est fermé, heureusement. D'accord. Bah déjà tu t'as switché là-dedans, t'es déjà à moitié mort, hein, mais. Alors. Il y en a un qui est tombé. Ou alors c'est la vieille. Ah, elle est plus là. Ah, elle a un truc dans le dos. Vas-y, tu donnes. Oh, le son que ça fait. Eh, je peux te couper les doigts. C'est quoi qu'elle a à côté de son oreille? Je sais pas. Je m'en doutais qu'il y avait un truc. Heureusement, j'ai pas vu le monster avant. Il a plongé la main dedans. Ah, puis à la rigueur le renverser, je sais pas. Je vais retourner par là, voir ce qu'il y a. Mais à mon avis, il n'y a rien. C'est là où j'étais, donc ouais. Non, c'était sûr. On sait tous pas grave. Ouais. Alors, le jeu sur PS5, les graphismes sont bien, hein, mais dès que t'es tout prêt, ça fait dégueulasse, quoi. Mais quand t'es un petit peu de loin comme ça, tu regardes les barreaux de la cellule, là, tu dis, oh, ça va, nickel, quoi. Même les briques et tout, nickel. Mais dès que tu t'approches, c'est dégueulasse, quoi. Que c'est au-dessus. Putain, ils auraient dû mettre un truc cardiaque là, qui te met au bout du doigt, mais que ça soit relié en USB sur la console, que tu peux le voir sur l'écran et tout, c'est. Ça aurait été pas mal. Putain, mais il y a des bruits chelous dans le jeu quand même.
Franchement, je m'en fous si je me fais buter par la bestiole ou je sais pas quoi. On verra bien. Hein, salut toi. Mais il est dans le noir. Il y a une main de bruit, toi, il y a les voisins. D'accord, la cellule se referme toute seule, elles sont... elles sont automatiques, t'es... C'est moi où je vois des flammes derrière la porte. Et vu qu'il y a une bestiole juste là, il va falloir que je cours, tu vois. T'as même pas le crocheté toi-même. Bon, c'est un peu débile ça par contre. Oh vache, ça par contre c'est bien fait. Même les flammes, tu sais, ça fait un petit effet flou. T'as même l'impression que ça va te chauffer la tronche. Par contre... Ah. Tu fais plus de bruit toi par contre là. T'es parti? Oh, y'a quelqu'un? Ouais, bon. Ça c'est tonneau avec du sang. Moi je dis qu'il y en a un qui est encore vivant là-dedans. Je me suis accroupi, on sait jamais. Ah, j'ai goûté l'épinard. En fin de compte, ouais. C'est pas du pinard, mais c'est du... Il y a une main qui sort du tonneau? Ah ouais. Ah, bonjour madame, ou bonjour monsieur, après, hein. On fait plus de différence. Oh, la main, elle est dégueulasse, eh. Même les plis sur les doigts, moi je regarde ma main, je les vois nettes. Ils sont flous là-dessus. Mais à voir que les développeurs, ils ont pas de main. Les développeurs de jeux ont pas de main. Regarde. Tu mets la main. Tu vois au niveau des phalanges, là, là où ça plie, les doigts. Quand tu mets tes doigts à peu près droits, ça fait des traits bien nets, tu les vois bien. Dans le jeu, non, c'est tout flou. Ils ont pas de main, ils ont pas pu regarder leurs mains pour voir la différence. Ça sent terriblement mauvais. Ah bah forcément, il y a que du sang là-dedans. C'est plus des zombies, c'est des vampires les machins. C'est quoi ça? Oh, rien. Ouh. Je peux l'ouvrir moi? Je peux même pas. Oh. D'accord, on peut l'ouvrir. Mais je peux rien faire en fait. Y a rien à récupérer. Les objets que j'ai, je peux pas les utiliser. C'est peut-être crocheté. Ah non, j'ai dit crocheté à serrure, mais il y en a même pas. Ah non, il n'y en a pas. Ah non, du coup, ouais, j'ai que ça. Ah ah. Ouh.
J'avais pas vu. Encore des bouteilles. À chaque fois, tu crois que c'est un vieux château, un vieux machin. Bon, je pense, hein, vu les pierres et tout, puis vu les espaces qu'il y a. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un vieux château. Mais vu les bouteilles et tout machin, c'est... Enfin, c'est pas du pinard qui est dedans, hein. Ah, une brique. Passage secret. Putain. Je m'en doutais que ça allait s'ouvrir à côté. J'ai la lumière là. J'ai pas envie de me faire choper ou quoi que ce soit. Non, y a personne ici, c'est bon. Alors. Ouh, en 1958. Ah ouais, ça date. 1958. Oh, c'est largement avant les autres Resident Evil, ça. Je crois que le tout premier, l'histoire commence en 98, je crois. Ah, attends, là c'était le 9, le 23, alors. Travailler au château, ouais, donc c'est bien un château, ouais. Carrément. Les fruits pourris, là, ça va faire de l'alcool, ça. Trop bien, on entend le vent qui siffle. Tiens, arrive en haut, je vais me faire choper. Après j'ai pas fait le 7, donc je peux pas dire. Alors, PS5, ray tracing ou pas? Oh, bien sûr que non. Oh, oh, oh. C'est tellement beau qu'on voit même pas son propre reflet. Une corde? Qu'est-ce qu'une corde fout là? Moi. C'est vrai que je suis pas trop rassuré en fait là. Oh, il y a un truc. Oh, c'est un collier. Ça se voit un petit peu quand même, hein. Chasser les mauvais esprits. Ah, tu peux le retourner, très bien.
y a rien. Oh là là, la gravure, comment elle est moche. Je peux comprendre que ça fasse un style vieux, mais alors là... Heureusement que le jeu n'est pas encore fini d'être développé quand même, mais bon, pour une démo, ils auraient pu essayer de faire quelque chose de propre, quoi. Bon, après, elle prend pas énormément de place, la démo, je crois. Je vais voir vite fait. Hop, retourner à l'accueil. Y'a que mon audio qui marche, tant mieux. Paramètres. Stockage. Jeu et application. Alors. Parce que j'ai quand même pas mal de jeux installés. Ouais, alors Resident Evil, il l'appelle Maiden. Ouais, super. Il fait 4 gigas. Ok. Et hop, on va retourner sur le jeu. Voilà. Non mais au moins, on te laisse pas voir les autres trucs. Hein. Il y a bien quelqu'un là-dedans. C'était au-dessus, ça. Vu comment ça fait comme ça fait penser quand même au premier Resident Evil. Ouais, une porte en bas de ce côté là, l'escalier qui monte en face. Ouais, je vais peut-être pas rester accroupi tout le temps. Oh, ah oui, ouvrir, oui, je vois bien. Et quoi dedans? Mais y a rien, super. On va me laisser ouvrir seulement s'il y a un truc. Oh. Ils ont pris la lune et des corbeaux en photo. Ouais, c'est space hein, quand même. Hein. Bonjour monsieur. Oh. Bonjour monsieur. Et la ficelle monte encore. D'accord, ça passe à travers le sol en fait. Encore un autre monsieur. La tête hein. Examiner. Non mais c'est pas la peine tu vois je veux m'avancer pour regarder, il essaie d'ouvrir la porte direct. Ouais non c'est parce qu'il y a un œil à mettre là dedans. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est César ça, non? Je sais pas. Ah merde. J'ai cru qu'il y avait un truc. Bah
La démo, c'est très linéaire, hein. Il te laisse pas le choix de visiter autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont mis à cramer? Je sais que c'est quelqu'un d'intelligent pour mettre des fringues à cramer. Alors. Ouais, des prénoms. Oh, du coup, non, je l'ai pas. Des bottes, c'est pas les bottes de filles, ça. Toujours même tiroir que tu peux ouvrir et qui sert absolument. Du moins rien. Ok. Donc il y en a. Attends. Ça va dire quoi ça? Donc là, c'est les affaires d'un mec. Il y a le chapeau et tout. Il aurait bu un coup à quelqu'un. Et déjà, bon, bah, il aurait déjà pissé le sang, déjà. Ici, il s'est barré en courant et puis là-bas, ben, il est mort. Je vérifie un peu le reste de la pièce. Mais ouais, faut vraiment que ça se voit que je vais pas finir. Que les gravures doivent ressortir et elles ressortent pas ni rien là, c'est. Putain, c'est un jeu PS1 là. Vache. Après, je comprends que la démo fasse que 4 Go, mais quand même. Merde, un tiroir vide. Oh, il y a un poplar. Bah, tu peux même pas le prendre. Ouais, donc il est vide. Ça aussi, c'est vide. Enfin, c'est pas vide, mais on peut pas l'ouvrir. Putain, c'est un truc sur la table. Garde-cahier, non? C'est l'hiver, oui, et la neige. Le fermer, non? Ah, j'ai hésité combien? 1, 2, 3... 3... 4... C'est 4. Ouh, le verre est vachement beau, ouais. Même de tout près, ça va. Oh. Oh, bah, y a qu'un œil. Ah mais donnez-moi une arme, un truc, je sais pas moi. C'est Resident Evil, merde, y a pas de zombies et y a pas de furie. J'ai vu un truc noir remonter.
façon, le seul endroit où que je peux aller, c'est là grâce à la bague. Non, tiens, je vais y mettre le collier, tiens. Eh, il manque un œil. Oh bon. C'est pas un œil, là, c'est une bague. L'œil. Oh. Même quand tu fais ça, ça... Oh. Oh, c'est bizarre, hein. Même pas refermer la porte. Tu devrais pouvoir au moins décider de fermer une porte ou pas, quoi. Donc ce soit automatique. Carrément, les bouteilles. Il y a des bouteilles partout. Dessin de crâne. Pourquoi te faire ouvrir des trucs si tu peux pas apprendre ce qu'il y a dedans? Ah voilà, là ouais. D'accord. Donc ouais. Donc ouais, c'est bien du... C'est bien du sang qu'il y a dans les bouteilles. Là, j'ai récupéré la clé de la cour. Bon, les autres portes, elles se sont pas déverrouillées toutes seules. C'est où j'étais avant. Tu as entendu parler? Je sais pas quelle langue, c'était même pas sous-titré. Les bruits qu'on entend, c'est à l'étage au-dessus. Hein. Salut toi. Ok. Yes.
Ah, ben, elle m'a tué. Tu es morte trop vite. Donc c'est une bonne femme qu'on contrôle. Hein? Non. Je recommence encore tout. Ouais, c'est tout. Je perds ça plus vite du coup. Oh merde. Tiens, il y a quelqu'un. Ouais. Avant d'ouvrir la porte, j'ai vu qu'il y avait un truc. T'ouvres, il n'y a personne. C'était où qu'il fallait que j'aille? Par là, je crois, non? Je sais plus. Bah non. Non, non, ici, non. C'était en bas. Tu vois, maintenant j'entends rigoler alors qu'avant je l'entendais pas avant. Et c'était la porte avec du sang. Tiens, écoute, il y a quelqu'un qui monte, hein. Regarde, je suis pas fou. Ok. Là, cette fois, je l'ai vu avant, avant de me faire surprendre. Bon, le seul truc qui m'intéresse, c'est dans celui-là. C'est où du coup? C'est si j'avance, ça va apparaître là-bas. Ah, il a peut-être écrit un truc dessus. Tourne. Putain, y a rien de marqué sur la plaque. Merde, alors je sors de là-dedans. Du coup, c'est pas là. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Oh, n'est pas une. Non. J'ai pas vu une autre. Oh putain. Oh putain, il est là. T'as rien pour te défendre, tu sais. Elle vient pas ici.
pas l'air. Oh putain, il y a une porte. J'ai même pas fait gaffe, il y a une porte ici. Ok, j'allais dire, elle a l'air d'être normale, elle. C'est tout? En gros, je me serais pas fait tuer une première fois, j'aurais joué une demi-heure, quoi. Ah ouais. Enfin, je me suis à moitié chié dedans quand elle a ouvert la porte, quand même. Hein. Oh là. Oh là, tous les copyrights, les machins. Oh là. Ouais. Ah, moi, c'est tout, je vais arrêter là. Ouais, sinon, c'est sympa. Bon, faudrait quand même que je fasse celui qui est sorti avant, quand même. Le 7. J'ai fait du 1 jusqu'au 6 et j'ai ouvert le 7. C'est un peu con que je commence par le 8, quoi.